Bonjour mes chers abonnés et non abonnés qui regardent cette vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un morning routine avec les enfants pendant les vacances. Désolée s'il y a un bruit de fond, c'est parce que c'est le soir que je fais mon voix off et il y a ma machine à laver et mon lave-vaisselle qui tournent en même temps. Bon, j'avais regardé ma dernière vidéo, j'avais préparé une pâte à crêpes pour le lendemain. Donc là, je suis en train justement de faire cuire ces crêpes parce que ce matin, ce sera crêpes avec du lait ou du thé au choix des enfants. Normalement, c'était un autre jour, mais j'ai voulu le faire aujourd'hui parce qu'on a mangé autre chose le jour où on devait manger des crêpes. Donc franchement, c'est la première fois que je fais des crêpes où la première pâte est réussie. Donc c'est génial. Chérie est en train de se préparer pour le travail. Donc il a juste eu le temps de prendre un bon café et quelques crêpes. Et ça me fait plaisir parce que d'habitude, il mange des nouilles. Donc ce matin, ça change un petit peu de son habitude avec ses bonnes petites crêpes. Là, je me suis déjà douchée, mais j'ai pas eu la force de me maquiller juste parce que je vais faire une vidéo. Donc, je vous montre vraiment ma tête du matin, la vraie vie. Peut-être que la plupart des femmes s'identifieront plus par rapport à ça que par rapport à quelqu'un qui est déjà pouponné dès le matin. Oui, de temps en temps, je fais des efforts, mais là, franchement, c'est les vacances. Je me prends pas la tête, j'ai pas de programme particulier. Donc, je préfère être naturelle. Sinon, pour la recette de ma crêpe, je vais vous donner tous les ingrédients. Après, pour tout ce qui est quantité, vous vous débrouillez toute seule, hein, parce que là, je ne peux pas vous aider. Donc, moi, j'ai utilisé de la farine, deux œufs. Les œufs, par contre, je sais, j'en avais utilisé deux. Très peu de sucre, un peu de lait, un peu d'eau, de l'huile. Et voilà, j'ai fait reposer depuis hier soir. Donc là, il est 8 heures et je commence à les faire cuire. Donc voilà. Enfin, j'ai fini de faire cuire les crêpes. Je nettoyais un petit peu le plan de travail. Pendant ce temps-là, pendant que je faisais les crêpes, les enfants ont fait le thé. En tout cas, Fuchou a fait le thé. Et là, on va s'installer pour bien manger.
Pendant que les enfants, les plus grands, mangent sur la table à manger, moi je vais manger à côté de Hansou. Je pense que Hansou va venir me rejoindre. Et en même temps, je vais monter ma petite vidéo qui devait sortir donc du coup mardi. Là, je suis en train de préparer la vidéo de mercredi. Une fois le petit déjeuner pris, les enfants se sont débarrassés de ce qu'il y avait sur la table. Là, Arin et Erwan commencent à bosser leur exposé. Pour Arin, c'est la planète. Et pour Erwan, c'est je ne sais plus. En tout cas, ils ont choisi leur thème par rapport au programme de l'éducation nationale. C'est comme ça que je fonctionne pour tout ce qui est scientifique, histoire et géographie. C'est à eux de faire des recherches et de nous faire un petit exposé avec des travaux manuels autour de ces recherches. Voilà. Pour Dia et Fichou, ils travaillent leur poésie. Calmez-vous si vous voyez une boîte de lessive dans leurs mains, c'est parce qu'on range les feutres à l'intérieur. Petite pause pour tâches ménagères. Enfin, pour moi c'est une petite pause, mais pour eux non, pas du tout. C'est une lourde tâche. Dia et Fichou sont en train de d'étaler les linges. Pendant ce temps-là, Arin est en train de faire cuire la viande. Fichou, entre-temps, avait mis sur le feu les pommes de terre pour ce midi. Et Erwan a sorti tous les plats et a mis à cuire les courgettes. Un petit regard. Merci. Et Dan, eux, s'occupent d'éplucher les pommes de terre, de les écraser et après de préparer tout simplement les pommes de terre, mettre du sel, du poivre, de l'ail, un petit peu d'huile et voilà. C'est ainsi que s'achève cette petite vidéo, donc je vous montre notre repas du midi, côte de porc, purée de pommes de terre, pas très purée que ça, mais voilà, et du courgette cuite à l'eau avec du sel. Dites-moi en commentaire si vous laissez aussi participer les enfants dans les tâches ménagères, et si oui, ils ont quel âge et qu'est-ce qu'ils font à peu près chez vous. Allez, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!